Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bienvenue à ce cours de football du jeudi matin. On est parti. On commence par l'échauffement. Et c'est parti, on commence par les cervicales. Allez, on tourne la tête. Délicatement, toujours. Allez, on bascule la tête d'un côté puis de l'autre. Allez, on descend le menton, on le remonte de chaque côté. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Allez, les chevilles. On commence par un pied dans un sens. Même pied dans l'autre sens. On change de jambe. Allez, l'autre pied. D'abord dans un sens. Et dans l'autre, on change. Allez, les poignets. On colle bien les avant-bras. On fait de belles rotations avec les poignets. Et on change de sens de rotation. On relâche. Allez, on passe aux épaules, les bras le long du corps complètement détendus. Et il n'y a que les épaules qui travaillent pour l'instant. Dans l'autre sens. Et
vache. Allez, on va se tenir sur le côté. Ballon, on va tendre une jambe et on va plier, pousser. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. De l'autre côté, avec l'autre jambe, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Allez, cette fois-ci, hop, je décale, je recentre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Allez, jambes tendues, je monte, je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Relâche. Allez, les avant-bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche les bras. On met les mains derrière la tête et délicatement, on réveille tranquillement les muscles du dos. Des mouvements fluides, souples. On essaie de trouver de l'amplitude. Et progressivement, on réveille le corps, les muscles. On relâche. Allez, on descend en longeant le ballon. On laisse la main descendre. On ne se penche ni vers l'arrière, ni vers l'avant. D'accord, hein, hop, on se met bien là, hop, uniquement sur le côté, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Hop. On a le dos bien droit. On ne fait pas d'à-coup, toujours un mouvement souple et délicat. Allez, on est dans cette position, les mains sur les clavicules, bras croisés, et je descends les coudes vers les cuisses, le dos droit. 1, 2,
10. On relâche. On inspire. On étire. Et on expire. On va chercher sur les côtés du ballon, vers l'arrière. On arrondit le dos, on regarde le ballon. On relâche complètement la tête. Allez, on remonte, on inspire. Et on expire. On arrondit le dos, on va chercher vers l'arrière. Ok. Allez, le bassin. Le bassin qui pivote, hein, on le fait basculer vers l'avant et vers l'arrière, comme ceci, hop, 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 allez. Il y a le ballon qui roule sous les fesses, et les fessiers qui se contractent par là, et le dos qui se creuse dans l'autre sens. On est sur de bons appuis bien solides au niveau des pieds. Allez, sur le côté, on envoie le bassin à gauche et à droite. Le buste, lui, reste dans l'axe. Allez, on fait tourner les cercles cette fois-ci. Dans l'autre sens. Allez, maintenant on ouvre. Allez. On referme. Allez, là on réveille les adducteurs, hein. On force pas. Petit à petit, vous devez sentir de plus en plus d'amplitude au fur et à mesure que les adducteurs chauffent. Plus de souplesse. On relâche. Et on se lève. Allez, on se met en appui sur le ballon et on va monter sur une pointe de pied, puis on revient. Ça fait 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On écarte un peu les pieds, largeur du bassin. Et on monte sur les deux pointes de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le dos bien droit. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une jambe tendue derrière, le talon collé au sol, le genou plié ici, on étire le mollet. On garde toujours la même jambe devant et on va avancer un petit peu plus, décoller le talon derrière et descendre le bassin en gardant le buste droit. Ok, l'autre côté, talon collé au sol, on étire le mollet,
Ici, on a la jambe fléchie. Allez, on avance ce pied. On décolle le talon ici. Le genou reste au-dessus du pied et on descend le bassin. La jambe derrière est plus tendue, elle peut être légèrement fléchie. Ok. On cale le ballon contre les tibias. Allez. On fait tourner les mains, les pommes, on appuie sur les paumes de main. Allez, on descend et on pousse. Je monte sur la main gauche, je file, redescends par la main gauche. Je arrive sur la main droite, je redescends par la main droite. On relâche. Allez, on va faire quelques petits squats. Donc, le bout des doigts sur le ballon. On descend, on pousse le ballon vers l'avant et on revient. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on ramène les talons vers le haut. Ok, on fait une petite pause, on profite pour boire, on va changer la musique et on va passer au travail du haut du corps. Allez, on prend le ballon entre les mains, d'accord, comme ceci, et on va pousser, serrer, relâcher. Allez, attention, au niveau de la posture, j'ai les pieds de la largeur du bassin, un petit peu plus large même, je fléchis légèrement les genoux, je contracte les fessiers, et c'est parti, donc. Je serre, je tiens, je relâche. Allez, 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et 20, au-dessus de la tête. Pareil, je vais serrer, tenir, relâcher. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Le ballon sur les cuisses, genou fléchi, paume de main sur le dessus du ballon et je vais venir appuyer, contracter les abdos, descendre
avec les bras tendus depuis les épaules et avec le buste. J'appuie, je tiens, je relâche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, bras fléchis à 90 degrés et cette fois-ci c'est avec les coudes que je vais venir serrer avec les avant-bras, hein. Hop, comme ceci, c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on trouve un petit coin de mur. Hop, quelque part pour poser le ballon. D'accord. Si on ne peut pas, on peut aussi le faire au sol, sur les genoux, si on n'a pas de mur. Et on va faire des pompes. Voilà. Mais bon, l'idéal, c'est de pouvoir le faire contre le mur. Les pieds légèrement en recul. D'accord. Et on vient fléchir les coudes sur les côtés et on pousse. Allez. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. On relâche. On va chercher loin devant, les bras bien tendus, la tête entre les deux épaules, le doigt plat, les fesses vers le plafond. On vient poser le genou le plus proche du ballon au sol. La main posée sur le ballon, bras tendus. Et en s'appuyant ici et en s'appuyant ici, on va venir descendre notre épaule vers le sol et je regarde côté opposé du ballon. Voilà, et là, on étire le pectoral. On fait la même chose de l'autre côté. Le genou le plus proche du ballon au sol. Appuie sur le genou. Appuie sur le ballon et je descends mon épaule vers le sol et je regarde à l'opposé du ballon. On récupère son souffle, pensez à bien respirer et on est reparti. On serre, clac, je serre, je tiens, je relâche. C'est parti, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les coudes bien haut, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, au-dessus de la tête, pareil. Je serre, je tiens, je relâche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 et 20. On lâche. Jambes fléchies, le ballon sur les cuisses, les paumes de main sur le sommet du ballon, légèrement vers l'avant. Ça part des épaules, les abdos sont serrés et le buste descend. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez. Le ballon devant la poitrine, les bras à 90 degrés. Et on serre avec l'avant-bras, le coude. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, soit au sol, sur les genoux, soit contre un mur. Et sur les pieds, ça fait du coup. Le ballon à hauteur des épaules. On écarte un petit peu les pieds. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on va chercher loin devant. La tête entre les deux épaules, le dos bien à plat, les fesses vers le plafond. On respire profondément. Ok. On va passer au travail également du bas du corps. Donc haut et bas cette fois-ci. Et ça va être un petit peu plus cardio. Allez, attention, on commence. Jambes tendues vers l'arrière, pointe de pied au sol, bras tendus vers l'avant. Je tire sur les bras, je ramène les coudes vers les abdos et je monte le genou vers le ballon. Hop, on fait un côté, puis ensuite on fera l'autre. On va faire 20 répétitions d'un côté et on fera 20 répétitions de l'autre ensuite. C'est parti et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On inverse au niveau des jambes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On souffle un peu, on récupère. D'où l'intérêt de bien respirer pendant l'exercice. Allez, après trois bonnes inspirations et expirations, on a récupéré son souffle et on va passer au squat. Hop, donc les squats. Un
petit peu plus large que le bassin. Ouverture des pointes de pied. Bras tendus ici. Et quand je descends, je vais replier. Hop. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On récupère son souffle, on va passer au troisième. Avec le ballon au-dessus de la tête. D'accord. Le mouvement, ça va être ça au niveau du buste. Le ballon passe d'un côté à de l'autre de la tête et le coude descend. Et au niveau des jambes, je monte le genou. Allez, attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On reprend son souffle. On va cette fois-ci pousser vers l'avant. D'accord. Et on amènera les talons vers les fesses. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Allez, dernier exercice. On est un patineur. Donc ici, je suis en appui devant. Hop. Je viens ici, puis je viens ici, hop. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche, on souffle et on va faire une deuxième série de tout ça. Allez, on respire bien, on boit un petit coup. C'est parti. Bras tendus, derrière, jambes tendues, la jambe d'appui devant, je monte sur ma jambe d'appui, je tire sur les bras, je monte le genou. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On se replace sur l'autre jambe d'appui. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pense à bien respirer. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On souffle.
On fait redescendre le rythme cardiaque un peu. De bonnes inspirations. Et on est reparti pour les squats. Hop. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pensez à respirer. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On récupère son souffle. 3 bonnes inspirations et expirations. On se met en place pour le troisième exercice. Allez, attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On récupère. On va faire les talons-fesses. En poussant vers l'avant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Écoute bien haut. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On récupère son souffle toujours. Allez, on va passer au patineur. Allez, on vient sur le côté. Allez, on peut même descendre si c'était trop facile. Je descends là, hop, et je redescends, hop, allez, 1, 2, 3, et sinon on continue comme tout à l'heure, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on relâche tout. On va chercher loin devant. On respire bien profondément par le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je creuse le ventre. Ok. Allez, on va passer au sol pour quelques gainages abdos-fessiers-cuisses. D'accord? Donc, abdos, une série d'abdos entrecoupés d'une séance de petits gainages. Puis, série de fessiers-cuisses entrecoupés de gainages. Allez, on commence par les abdos. Je vais descendre, voilà, comme ça vous pourrez bien me voir. Allez, premier exercice, il est facile, avec cette jambe-là. J'ai la jambe fléchie, le ballon contre le genou. Du coup, avec la main opposée, je tiens le ballon aussi, qui est calé entre le genou et la main. Cette jambe ici, elle est tendue. Le bras ici, il est tendu aussi. Et on échange. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. On va passer le ballon des mains aux pieds, des pieds aux mains. Voilà, le ballon au-dessus de la tête, bras tendus, les jambes fléchies comme ceci, les pieds à hauteur des genoux. Et on échange. Hop, hop, on descend, on remonte et on échange à nouveau. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. On va rester au sol. On va avoir le ballon entre les mains cette fois-ci. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Si j'ai la jambe droite fléchie, je fais tourner le ballon et je viens rapprocher mon coude gauche vers le genou droit et j'échange. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche et on souffle. On va cette fois-ci venir sur le ballon. Allez, on a les mains derrière les oreilles, sur les côtés ici. Et on va légèrement soutenir la tête. Hein. On n'appuie pas ici, mais c'est les épaules qui vont se lever. Hop. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Allez, gainage. Sur le ventre, hop. Et sur les avant-bras, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Dans l'autre sens, les tibias sur le ballon. Les genoux, à vous de voir, c'est comme c'est le plus stable pour vous. On est en appui sur les mains bien en dessous des épaules. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, on a fini la première série, on va faire une deuxième série des abdos et ensuite on passera aux fessiers. Allez, on est reparti. Mains et genoux qui tiennent le ballon, l'autre bras et l'autre jambe sont tendus et c'est parti. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. On souffle. Allez, le ballon entre les mains, les pieds à hauteur des genoux, les genoux au-dessus des hanches. Et c'est parti, le ballon passe dans les pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Le ballon ne sera que dans les mains cette fois-ci. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Je me tourne vers la jambe fléchie en gardant le ballon au-dessus de la tête. Coude et genoux opposés. Et c'est parti, on échange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Et tranquillement, hop, on se met le ballon dans le dos. Les mains derrière les oreilles, de bons appuis au niveau des pieds. Et c'est parti. 1, on rentre le nombril. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on passe au gainage. C'est parti, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, les jambes sur le ballon, en appui sur les mains, les mains bien au-dessus des épaules. Et attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on souffle. On boit un petit coup. Et on va passer aux fessiers. Fessiers et cuisses. On se remet au sol. On met donc les pieds, les talons au sommet du ballon. Hop. On peut écarter légèrement les pieds pour avoir plus de stabilité, pour éviter de tomber sur le côté. Les bras sont écartés. On décolle les fesses et on ramène les talons vers les fesses. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. On se met assis. Les pieds à plat au sol. Les jambes de chaque côté du ballon. Et on va serrer, tenir, relâcher avec les genoux. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on se met le dos sur le ballon. Les bras le long du corps, donc on est vraiment le haut du dos, hein. La tête et les épaules posées sur le ballon. On descend les fesses, on monte les fesses. C'est parti, les appuis bien larges et bien solides, les pieds à plat. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On repasse au sol, c'est ici sur le côté. Hop là. Et on va serrer avec la jambe du haut. Je serre, je tiens, je relâche. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On passe de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Allez, un peu de gainage. On fait les quatre exercices de fessier-cuisse. La transition avec gainage, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Dans l'autre sens. Allez, attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On est reparti, deuxième série, deuxième et dernière série, après le cours est fini, il n'y aura plus que les étirements, on donne tout ce qu'on a, c'est parti, on lève les fesses et on ramène les talons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 et 20. Allez, position assise. Les pieds à plat. On serre avec les genoux, c'est parti. Je serre, je tiens, je relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Le ballon dans le dos. Les bras sur le côté, les pieds bien à plat. Je descends, je monte les fesses. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Et on passe sur le côté. On peut légèrement fléchir les jambes. Et on appuie, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. On relâche et on passe de l'autre côté. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 et 15. Le gainage. Et ce sera la fin. Allez, attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, dans l'autre sens. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et voilà, on peut mettre le ballon de côté. Et on va s'étirer. Allez, on va s'étirer debout. Hop, on attrape les pour les quadrilles, le pied. Un derrière. On approche les deux genoux. On essaie de rester bien droit. Hein. On n'est pas penché vers l'avant. Allez, de l'autre côté. On resserre les deux genoux. On se tient droit. On relâche. Allez, les pieds parallèles, on descend, et c'est parti, on descend sur le côté en faisant attention que votre genou ne dépasse pas le pied, le buste est droit, on sent que ça étire au niveau de l'adducteur, on bascule de l'autre côté, toujours les pieds parallèles, toujours le buste droit, pas de buste penché vers l'avant ni tourné.
Allez, on repasse à l'autre côté. Toujours, prenez bien soin de que ce genou ne soit pas trop loin sur le côté. Allez, on bascule de l'autre côté. Ouais, je m'en reviens délicatement, hop, et progressivement, on fait un pas vers l'avant, je pointe le pied au sol derrière, ici on garde le genou au-dessus du pied, le bassin descend et avance, on sécurise le genou ici, le buste est droit. L'autre côté. Hop. Je sécurise le genou. Hop. Ok. On croise les jambes. On inspire, on va chercher le plus haut possible. On étire. Et on expire. On part de la fesse, du haut de la fesse, de la jambe qui est le plus derrière. Et on descend, on longe la cuisse, on relâche la tête, le derrière du genou, le mollet. On descend au plus bas que l'on est capable de faire. Allez, on remonte, on croise dans l'autre sens. On inspire. On étire. Et on descend. On longe la fesse, la cuisse, le derrière du genou, le mollet, et on fait ce qu'on peut pour descendre le plus bas possible. Allez, les bras, une main sur l'épaule opposée. Je ramène mon coude vers moi, à hauteur du menton. Ah, je tire là, le triceps. Pareil de l'autre côté. Allez, la main entre les deux omoplates. J'attrape le coude, je le ramène dans l'axe de la tête. Allez, de l'autre côté. Ok, on relâche, on détend. Et voilà, 10h03. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Continuez à appeler les copines et à leur dire que c'est facile de se connecter sur YouTube et de venir faire le cours comme à leur habitude le jeudi matin à 9h. L'horaire ne change pas, le jour ne change pas, donc tout le monde devrait être là comme en présentiel. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à mardi. Ciao, ciao!